Xôm chơi cùi. Ngày nay ông chung nung chụp rẻ từ là cả cặp phu bậc ca bật to sạo nà cá hay xôm lục làm chi đi cam pi phi khi hay nâng mê tử vi xôm group đồng bậc thiên xôm group ông chung nung rẻ nâng rôn su sơ đây ông sạo nà cá từng mũi nhóm bát xôm đi cam pi vật tử miến rập bò phi khi nâng mê tử vi đôi to tàu thì mối hàng xã bề nhá miền lục chủng tiêu chia liếng lục Nicola công chiến rồi ai chôn chọc hàng chôn chọc chọt miền lục nôn lục khi sống phón lục nôn chi bàn sông càn nhạt ông nhạc thật là ca cầm phú đàm bày tạm đàn tạm bẩn tục hàng cọng đấy rì ai sa hạ mê tử vi cà phê chun chọc chọc lục nôn chia miền lục xuân ở rốn phần tay vật từ miền khang mê tử vi ăn rạ chiết Victor Coupe rì ai mê sa hạ mê tử vi chun chọc cà phê cái đây chun chọc chọc lục khi sầm phón miền khang phi kỳ chiết miền lục cùng sầm ón miền vật từ miền nâng lục sợi ong ta quýt hai khang sa mê tử vi nóm mốc đàm đăng rọt ní miền lục bệnh ống, lục sợi Mari Guiro. Hỏi đàm đăng rọt vần ní, xâm rạp ngay ní miền chậm nuôn đọc buồn rụp đá. Cứ miền nạ sợi hô chẳng thá, lục chơm món, lục xiêng chón, lục chôm hún hai bớ, lục sợi khôn mốc muối, lục sợi hèm sở vắn. Lục sáng dọc phân, lục sợi cháu láng, lục màn sẻ, lục cháu khấm, lục sợi sọc nát, lục sợi khốt vướn, lục nguồn ếng, hư hạ ạt nguồn ếng, nâng trong cõi, lục ám ươn, bà, xong bỏ khuôn bà. Xong bỏ khuôn hai... đời xa chun chập chào bàn sna sông mặt là cả cổng pool mình chồ rùm đập toan để chụp mộc nơi khnông pê sạp nà cà ni tê phần tái miền sầm bột đời miền sầm bột chẹo ông pi bị chẹo mặt đất đại thà quạt ông miền à cà rạ chư chỉ cây chư khnông đại mình ai cùng du ban được khnông bật tụp sạp nà cà sai hết ní ông chụp nôm về tà là cả cổng pool sầm rạch thà ơi quạt từ chỗ rùm nâng tam đàn sạp nạ ca nơi khnông bẩn tục kraum nơi xa sạp nạ ca thông ni nhưng chẳng sâu mình chơi một trầy kháng sạp tua riêng chòm bẩn tục nâng ủ bạc có thầm mẹp ai quạt tam đàn bàn chia bẩn tó cư dương chỗ đó vẹ thị bấy nơi tẹo lấy co bật đăng sạp tục vẹ bòn nâng bọt ổ krất đại chun chọc cháu trở bàn đại phí rốt tập hiệp. Sau một chương trời cầm một bài ca, một bài ca. Thank you, Mr. President. The report on grounds of appeal related to the crimes for which the accused were convicted. The trial chamber found that Nuon Chia and Khieu Samphan committed a number of crimes. Mr. President, I believe there's a problem on the English channel. We're getting the Khmer instead of getting the English, and maybe the channels are mixed up. So I apologize for interruption, but the translation is not coming through. Maybe we can now start. Mr.
The report on grounds of appeal related to the crimes for which the accused were convicted. The trial chamber found Nuon Chia and Khmer Nuon Chia and Khmer Nuon Chia committed a number of crimes against humanity in the course of population movements, phases 1 and 2, and at 3 and 4 trials. In particular, Nuon Chia and Khmer Nuon Chia were convicted of murder, extermination, persecution, and political grounds, and The two accused It is argued that the charge chamber failed to mention Nuon Chia's involvement in the In respect of the charge chamber found that Nuon Chia's involvement in the crimes against humanity in the course of population movements, phases 1 and 2,
This concludes the report on this aspect of the criminal abuse of Nuon Chia and Khieu Samphong. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Hier, nous avons évoqué la question des règles de procès équitable et l'approche biaisée et partiale des règles de preuve que la Chambre de première instance avait appliquée. Cependant, cette approche générale biaisée ne s'est pas limitée aux éléments factuels. Et elle se retrouve également dans l'analyse juridique qu'effectue la Chambre. Là encore, la partialité de la Chambre est apparente dans son analyse juridique des crimes. Et cela l'a conduit à violer allègrement les règles de droit fondamental qui sont le socle de la procédure pénale et le socle du droit pénal. Après, la manipulation des faits vient donc la manipulation du droit. On a donc fait fi dans le cadre de ce jugement, de la légalité criminelle, de l'interprétation du droit qui doit toujours profiter à l'accusé. Et le péché originel commence par le droit qui est applicable en 1975. Parce que nous avons parlé hier de la compétence temporelle, mais la compétence temporelle est celle qui fixe également les règles et le corpus des règles qui sont applicables au procès. Alors c'est vrai, la tentation est grande lorsqu'on juge des accusés si longtemps après les faits de vouloir leur appliquer des notions modernes juridiques, mais le droit est ce qu'il est et on ne doit pouvoir condamner une personne qu'en fonction des règles qui existaient au moment où les faits qu'on lui reproche sont supposés avoir été commis. Donc les seules normes applicables sont celles qui existaient au 17 avril 1975. Et que nous dit le droit en 1975 par rapport aux éléments du chapeau du crime contre l'humanité? Le droit en 75 nous dit: il faut un lien avec un conflit armé, paragraphe 52-54 de notre mémoire d'appel, que les crimes soient commis en application d'une politique étatique. Et ça me fait naturellement venir à la première question que vous avez posée au parti, à savoir si en application du droit international coutumier tel qu'il existait en 75, la définition des crimes contre l'humanité exigeait l'existence d'un lien avec un crime contre la paix et un crime de guerre, et vous rajoutez entre parenthèses en opposition avec potentiellement un lien avec un conflit armé. Votre question, telle qu'elle est posée, amène une première réflexion. Si on pose l'exigence pour la caractérisation de crime contre l'humanité, l'exigence d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, qui sont les définitions à l'époque, en 1975. Alors pour nous, la réponse, elle est évidente. Il y a forcément un lien avec un état de belligérance. Donc on l'appelle crime de guerre, un crime contre la paix ou conflit armé, pour nous, il y a un état de belligérance. Et là, je me réfère à l'article 6 du statut de Nuremberg où on nous explique le crime contre la paix et le crime de guerre, c'est forcément en lien avec un conflit armé. Donc, sur la question d'une opposition potentielle avec un lien avec le conflit armé, pour nous, il n'y a pas de possibilité d'opposition. Donc, la réelle est la seule question qui découle de tout cela et de savoir si le lien avec le conflit armé était une condition de caractérisation des crimes contre l'humanité en 1975. Et oui, la réponse est oui.
Ce n'est pas seulement nous qui le disons. La chambre préliminaire l'a dit. Et là, je renvoie à la décision D427-1-30 au paragraphe 306-311. Et vous-même, vous avez indiqué dans le cadre de l'arrêt Duc, au paragraphe 112, qu'à tout le moins jusqu'en 1946, le nexus avec un conflit armé était un élément clé de la définition du crime contre l'humanité. Et je dis 1946, je devrais même dire 1950, puisque je rappelle à l'attention de la Chambre de la Cour suprême que les principes de Nuremberg ont été énoncés en 1950 par la Commission de droit international. De l'autre côté de la barre, que nous disent les co-procureurs ? Ils nous disent non, pas de lien nécessaire avec le conflit armé. D'ailleurs, nous avons la loi numéro 10 du Conseil de contrôle de 1945 qui dit le contraire. Cet argument pour nous n'est pas opérant. Et pourquoi ? Parce que la loi numéro 10 du Conseil de contrôle est une loi qui s'applique uniquement en territoire allemand sous contrôle des Alliés à l'époque. Et qu'il s'agit donc d'une loi qui est un instrument de procédure interne. Et d'ailleurs, c'est tellement quelque chose qui est limité au national que plus tard, lorsque nous avons le statut du tribunal de Tokyo, lui-même précise et reprend exactement la définition de Nuremberg telle qu'issue de la jurisprudence de Nuremberg, à savoir le nexus nécessaire avec le conflit armé. Et je renvoie notamment à la jurisprudence que les coprocureurs se sont gardés d'évoquer lorsqu'ils parlent de Nuremberg. Et que dit la jurisprudence flic ? Là, je vais devoir citer dans mon anglais approximatif. Donc c'est un jugement de 1947. Voilà ce qu'il dit. Implicit in all of this chartering legislation is the purpose to provide for full punishment of crimes committed during the war or in connection with the war. We look in vain for language evincing any other purpose. Crimes committed before the war and having no connection therewith were not in contemplation. Fin de citation. Donc en 1947, la jurisprudence flic dit le contraire de ce qu'indiquent les coprocureurs. Ensuite, nous avons une question de ce qui se passe entre 1946 et 1975, entre 50 et 1975, pour reprendre la fourchette de la Commission de droit international. Eh bien, entre 1946 et 1975, il n'y a pas de définition ni claire ni uniforme. Et je renvoie également à ce qu'avait conclu la chambre préliminaire en faisant une juste application de la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans l'affaire du droit d'asile, où elle relève, la Cour relève un tel manque de consistance dans la succession rapide des textes conventionnels ratifiés par certains États et rejetés par d'autres, qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela une coutume constante et uniforme comme étant de droit. Fin de citation. Et c'est cette voie que vous devez suivre. Il n'y avait pas de définition ni claire ni uniforme. Donc on ne peut pas dire, comme l'a affirmé la Chambre, qu'il n'y avait pas de nexus nécessaire avec le conflit armé. Et j'ai envie de rebondir sur une des sources que les coprocureurs nous ont fournies. Les coprocureurs nous fournissent notamment, entre autres, une obscure décision du XVe siècle. C'est l'affaire Vonnegut-Bach, dont je suppose qu'ils vont parler tout à l'heure, en disant que déjà, au XVe siècle, il n'y aurait pas eu de nécessité de lien avec un conflit armé, en disant que, et en citant un article de Genel Metro, disant que dans l'affaire Vonnegut-Bach, il s'agissait d'un crime contre l'humanité en dehors de tout conflit armé. La doctrine n'est même pas
unanime sur la question puisque nous avons fourni, et c'est le document que nous vous avons envoyé hier, nous avons fourni un commentaire de cette même décision Vonnegut Gebhardt, où M. William Chabas, lui, parle de crime de guerre. Donc il y a bien, selon lui, un lien avec, à confirmer dans cette hypothèse-là. Donc, toujours est-il que, pour revenir à des temps un peu plus modernes, le juge Méron également du TPY a convenu, et ça c'est dans un ouvrage de 1994, où il parle de l'évolution du droit international et de cette époque, et il dit, je cite encore en anglais, neither in the literature nor in the work of the International Law Commission can one find a consistent position on the nexus requirement. C'est donc à tort que, face à ce doute, face à ces interprétations et ces applications différentes sur ce point, que la Chambre a conclu que le nexus n'était pas requis en 1975. Et quand je dis qu'il y avait un doute, et quand je dis que c'est à tort que la Chambre a conclu en ce sens, c'est parce que je rappelle ce principe général de droit pénal, que le doute doit toujours profiter à l'accusé, y compris en matière d'interprétation du droit. Je vais y revenir tout de suite sur cette question de in dubio pro reo. Et là, je réponds sur le deuxième point au co-procureur, puisque ils vont soutenir une autre erreur de la Chambre, qui a été de dire qu'il n'y avait pas besoin d'une politique étatique pour établir l'existence de crimes contre l'humanité. Nous soutenons bien évidemment le contraire, et là je vous renvoie au paragraphe 55 à 58 de notre mémoire d'appel. Et les co-procureurs tentent de conforter l'erreur de la Chambre par plusieurs arguments. Et un de leurs arguments, paragraphe 129 de leur réponse, est de dire que le principe in dubio pro reo, s'appliquerait seulement aux constatations de fait et non pas à l'interprétation des règles de droit international. Cette affirmation est fausse, parfaitement fausse. Nous l'avons rappelé dans notre mémoire d'appel et je vous renvoie au paragraphe 50. La Chambre préliminaire l'a également rappelé dans le cadre d'une décision des 427-2-15 au paragraphe 144. Et si, dans la jurisprudence qui nous est citée par les coprocureurs, on nous parle d'une décision isolée, Stakic, mais les procureurs citent également l'arrêt Renzaou. Or, l'arrêt Renzaou dit exactement le contraire de ce que soutiennent les co-procureurs, puisque au paragraphe 474 de cet arrêt, il est dit, et je vais citer une extension, le principe in dubio pro reo prévoit que tout doute doit être résolu en faveur de l'accusé. La Chambre d'appel tiens à rappeler que ce principe, qui est un corollaire de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s'applique aux conclusions requises pour prononcer une déclaration de culpabilité, à l'instar de celle qui établit les éléments constitutifs du crime reproché. À l'instar. C'est très clair. Autre inexactitude sur les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce nexus nécessaire ou pas, et sur ce qu'était le droit international coutumier, un des arguments des coprocureurs est de dire que le statut de Rome n'énonce pas le droit international, puisque nous avions expliqué l'évolution de la question du nexus. Et le coprocureur nous dit que le statut de Rome n'énoncerait pas de droit international coutumier parce que, je cite, ce serait un accord négocié entre États parties. Et pour soutenir ce point, il ne s'appuie que sur une opinion dissidente qui argue qu'un traité international, ne serait pas du droit. Et
il renvoie à l'article 10 du statut qui ne dit pas ça, mais première observation, nous sommes obligés de constater le revirement de posture des coprocureurs, puisque aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'un accord négocié entre États ne permettrait pas de constituer, ne permettrait pas d'établir en tout cas ce qu'était le droit international coutumier. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit de discuter le nexus entre conflit armé et crime contre l'humanité, ces mêmes coprocureurs n'ont pas de problème pour nous soutenir que les traités entre États parties, qui pourtant n'ont rien à voir avec la question, eux, là on peut les utiliser, même s'ils ont été signés par un cercle restreint de pays. Mais quand il s'agit du statut de Rome, qui lui est signé par 123 États, on nous dit que non, on ne peut pas en parler comme base pour le droit international coutumier. Sur le deuxième, la deuxième critique que l'on nous forme en nous disant, mais puisque vous évoquez sans arrêt le fait que c'est simplement le droit applicable en 75 que l'on peut opposer, que l'on peut discuter aujourd'hui, pourquoi prenez-vous l'exemple du statut de Rome? Alors qu'on soit bien clair, nous ne sommes pas en train de dire que c'est le statut de Rome qui est applicable. La seule chose que nous évoquions dans le cadre de notre argumentation, c'était de dire que la condition d'une politique étatique dans la définition des crimes contre l'humanité existait avant 75 et qu'elle existe toujours maintenant dans le statut de Rome. C'est le seul argument que nous avons mis en avant. Autre inexactitude des coprocureurs, on nous dit que la politique étatique servirait uniquement à fonder le caractère généralisé systématique de l'attaque. Là encore, compte tenu du temps, je renvoie notre mémoire d'appel, paragraphe 55-58. Je renvoie également au paragraphe 180 du jugement, où la Chambre ne se cache pas du fait qu'il y avait plusieurs interprétations et qu'elle a choisi, l'interprétation la moins favorable à l'accusé. Donc, pas d'application du principe quatrième point. Lecture erronée, à mon sens, de la jurisprudence des tribunaux de Nuremberg, puisque, rappelons-le, même dans une jurisprudence qu'eux-mêmes fournissent, c'est leur source. Nouvelle source, document numéro 5, autorité 3, si j'ai bien compris, dans l'affaire États-Unis contre Alstotter du 5 mars 1947, page 982. Je cite encore une fois en anglais. As we construe it, that section provides for punishment of crimes committed against German nationals only when there is proof of conscious participation in systematic government-organized or approved procedures amounting to atrocity and offenses of the kind specified in the act and committed against populations or amounting to persecutions on political, racial or religious grounds. Vraiment désolé pour l'accent. Donc, government organized, c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence citée par les coprocureurs. Un autre critère pour retenir les crimes contre l'humanité est la question de l'attaque dirigée contre une population civile. En plus donc des deux conditions du nexus et de l'existence d'une politique, le droit dit que les crimes doivent être commis contre une population civile, ce qui amène à répondre à votre question, ce qui amène à répondre à la question, la deuxième question que vous avez posée dans le cadre de la préparation de cette audience sur la notion de soldat hors combat. Votre question est la suivante. Dans la mesure où, selon la Chambre de première instance, des crimes auraient été tout particulièrement commis à l'encontre de soldats hors de combat de la République Khmer, ces crimes ont-ils cependant été commis dans le cadre d'une attaque dirigée contre une population civile? On peut comprendre de votre question que vous analysez le jugement comme ayant conclu qu'à partir du 17 avril 1975, des crimes ont été commis spécifiquement contre les soldats
de l'ancienne République Khmer, qualifiée hors de combat au sens de la Convention de Genève. Or, dans cette hypothèse, il y a un point à souligner, il y a un obstacle de taille. On peut parler de soldats hors combat que lorsque nous sommes dans le cadre d'un conflit en cours. Donc si l'attaque a pris pour cible des soldats hors de combat, on ne peut pas parler d'une attaque contre la population civile. Et d'ailleurs, la jurisprudence telle que citée, en tout cas utilisée par les procureurs, ne dit pas autre chose. Et là, je renvoie à l'arrêt Martic, paragraphe 311 et 313, où on nous dit, en gros, que la présence de victimes hors de combat n'enlève rien au caractère civil de la population ciblée, à la condition que l'attaque ait bien pris pour cible les civils et non pas des hors combat. Et la difficulté particulière dans le cadre du jugement, c'est que le jugement est dans la confusion la plus totale sur cette question. Et c'est pour ça que votre interrogation est effectivement légitime. Parce qu'au paragraphe 194 du jugement, qui est emblématique de la confusion, il dit ceci. Le conflit entre la République Khmer et le mouvement Khmer Rouge a pris fin le 17 avril 1975 avec la prise de Phnom Penh. Il dit plus loin, après cette date, tous les soldats de l'ARK, de la République Khmer, qui ne participaient pas directement aux hostilités, devaient être considérés comme des civils ou à tout le moins comme des personnes mises hors de combat et par conséquent devaient bénéficier des mêmes garanties que les personnes civiles. Et là, nous avons un raisonnement qui n'est pas logique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'un conflit prend fin, il n'y a plus d'hostilité et on ne peut plus parler alors de personnes en combat ou de personnes hors combat. C'est simplement dans le cadre d'un conflit en cours. Deuxièmement, et ça, c'est la confusion est encore plus importante et juridiquement, la position de la Chambre de première instance, la position est fausse, puisque si les soldats hors de combat bénéficient des mêmes garanties que les civils, comme le dit la Chambre, ce n'est que lorsque des crimes sont spécifiquement commis contre eux, et alors c'est dans le cadre de la protection assurée par les conventions de Genève. Donc on a deux positions qui sont contradictoires, que la Chambre, dans le cadre de l'articulation de son jugement, n'a absolument pas tranché. Mais il faut qu'on soit clair. De deux choses l'une, soit on a des soldats hors combat qui sont des victimes collatérales, soit ils sont visés par une politique spécifique. Et si on veut parler de hors combat, nous sommes toujours dans le cadre de la conflit armé, sinon ce sont d'anciens soldats. Et là encore, c'est important parce qu'on ne peut pas à la fois dire que la population civile est la cible de l'attaque et que les ex-soldats de la République Khmer sont des victimes résiduelles et accidentelles et dans le même temps soutenir qu'il y avait une politique spécifique contre les anciens de la République Khmer et condamner que s'en prend sur ce point. Et le raisonnement erroné de la Chambre trouve son point culminant au paragraphe 510 et 554 de son jugement, puisqu'on nous explique que quelques jours après le 17 avril 1975, il y aurait eu des troupes Khmer Rouges qui ont effectué des recherches et qui ont retrouvé des militaires de l'ONNOL. Si nous sommes après le 17 avril 1975, ce sont des anciens militaires de l'ONNOL. Et à cette occasion, au passage, alors là, je ne parle même pas des problèmes de fait pour établir ce qu'elle dit, mais en tout état de cause, elle nous explique qu'on ne peut pas considérer que les décès qui ont été causés lors de cette altercation, elle ne peut pas provoquer de condamnation pour meurtre, car ces personnes étaient en situation de combat. C'est le paragraphe 554 du jugement. Donc là, encore une fois, problème de logique juridique, si nous sommes après le 17 avril 1975 et que nous ne sommes plus dans le cadre d'un conflit armé, alors on n'a plus de nexus et dès lors, il est impossible de qualifier les morts d'ex-soldats de la République Khmer ou de qui que ce soit de crimes contre l'humanité, ou soit
La Chambre avait décidé que le conflit continuait. Et là, il faudra asseoir ça sur de la preuve indiscutable. Et à ce moment-là, on pouvait dire que tous les militaires de la République Khmer étaient considérés soit en combat, soit hors combat. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de la crime contre l'humanité, on est dans le cadre de l'application de la Convention de Genève. Donc ça, c'était le point pour répondre à votre question et la position de la défense de Kyusampan sur ce point. Viennent ensuite la question des crimes de meurtre et d'extermination. Et là, j'en reviens exactement à ce que vous expliquiez hier sur la construction par la Chambre de faits et de droits pour lui permettre d'entrer en voie de condamnation. Puisque son problème, globalement, tout au long de ce procès pour les crimes et pour les modes de responsabilité, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'on parle des éléments constitutifs, on a l'actus reu et la mens rea. Et comme elle a du mal à trouver une intention directe, par exemple, une intention directe de tuer de M. Kyusampan dans le cadre de la preuve qui est à sa disposition, elle va abaisser ce principe en disant que ce n'est pas besoin de dire qu'il y avait une réelle intention, le deuil éventuel suffit. Et bien non, en application du droit en 75, le deuil éventuel ne suffit pas. Et ça nous amène à venir à répondre au procureur sur la question de l'extermination. Et là, il est vrai que pas soutenu, en tout cas, je n'ai pas vu, que au niveau de l'extermination, le deuil éventuel existait en 75. Alors, on a beau faire référence à de la jurisprudence des tribunaux ad hoc, ils sont largement postérieurs, et on ne peut pas dire qu'en 75, ce deuil éventuel existait. Je dois vous dire que j'ai même du mal à comprendre comment du deuil éventuel pourrait exister dans le cadre d'une extermination, mais en tout état de cause, c'est de la jurisprudence des tribunaux ad hoc. Ensuite, les coprocureurs font également une mauvaise interprétation de l'arrêt Celebici. Et là, il renvoie au paragraphe 420 et 439 de cet arrêt, sauf que, là encore, il y a une confusion entre actus reu et mens rea. Dans Celibici, il n'est aucunement dit, aucunement fait mention d'un deuil éventuel défini comme la connaissance par l'auteur de la forte probabilité que ces atteintes engendreraient le décès de la victime. Dans les deux hypothèses retenues par Celibici, l'auteur était animé de la seule volonté de tuer. Ce n'est pas le cas dans le procès qui nous occupe. Pour que ça, en tout cas, ce n'est pas ce que la Chambre a soutenu en retenant la mens rea inférieure, à savoir le deuil éventuel. Et pour rappeler quand même les faits de l'espèce dans Celibici, rappelons qu'il s'agit d'un camp de détention où les prisonniers étaient victimes de torture, de viol, etc. Et la seule intention coupable dans cette cas de figure, c'est l'intention directe ou indirecte. Je ne vois pas comment il peut y avoir de deuil éventuel. Je ne vois d'autant moins que ces faits seraient, a priori, à rapprocher des faits de S21 qui ont été jugés dans deux et qui vont être jugés dans le procès 02-2. Et il ne me semble pas que les coprocureurs soutiennent que dans ces faits-là, il y a du deuil éventuel qui sous-tend le fonctionnement et l'intention des geôliers de S21. J'en viens maintenant à votre troisième question sur ce segment-là. Vous demandez, pour déclarer un accusé coupable du crime d'extermination, englobant celui de meurtre, la Chambre de première instance doit-elle avoir l'intime conviction que chacun des meurtres a été perpétré ou éventuellement à titre subsidiaire? Doit-elle avoir l'intime conviction, au vu de l'ensemble des éléments de preuve, que des meurtres volontaires ont été commis? Votre question telle qu'elle est formulée pose deux problèmes. Tout d'abord, la question de l'examen des preuves. Et ensuite, dans les deux cas, de toute façon, il faut qu'on parle de l'ensemble des éléments de preuve. Et ensuite, il y a le problème soulevé par la question de ce qui englobe les crimes de meurtre. L'intime conviction sur la commission générale d'homicide est intéressante
dans le cadre de notre procès sur essentiellement les déplacements de population phase 2. Aucune qualification de meurtre n'a été retenue ni par les juges d'instruction ni par la Chambre pour les faits de déplacement de population phase 2. Et c'est pour ça que la Chambre se réfère à son intime conviction. Et le problème, c'est que les conclusions factuelles, évidemment, sont erronées. Problème de preuves corrompues, d'absence de corroboration. Ça, c'était un point important. Et malgré tout, dans la démarche sur les déplacements de population phase 1, la Chambre avait essayé d'établir la réalité de meurtre isolé, puisqu'il fallait au moins déterminer le fait qu'il y aurait eu des meurtres. Ce n'est pas le cas pour les déplacements de population phase 2, où aucun meurtre en tant que tel n'a été retenu ni n'a été débattu dans le cadre du jugement. Donc, quel est l'état de la jurisprudence pour retenir l'extermination sans une qualification préalable des faits de meurtre? Eh bien, nous vous renvoyons au jugement Krajinsnik, pardon, de 2006 devant le TPY sur la manière, le déroulement du raisonnement dont doit faire preuve la Chambre dans ces cas-là. Il s'agit d'examiner les choses de façon extrêmement minutieuse et de démontrer en profondeur la réalité de chacun des homicides perpétrés. Et c'est tout le contraire de ce qui se passe dans le jugement au paragraphe 575 et 657, où on parle de généralité, où il y a une chronologie floue, et où il y a de nombreuses imprécisions sur les lieux allégués d'exaction. La démarche doit être également rigoureuse, encore une fois lorsqu'on adopte cette démarche d'asseoir son intime conviction sur l'extermination, sur des faits qui se seraient déroulés. Une autre démarche rigoureuse auquel je renvoie la Chambre est l'arrêt Bagosora, où il présente la manière dont doivent s'articuler les crimes de meurtre et d'extermination lorsque des crimes ont été commis, par exemple, sur des sites différents. Et la qualification préalable nécessaire de meurtre est nécessaire pour pouvoir ensuite parler de son caractère massif. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Très brièvement, puisque je sens que mon temps va bientôt se terminer. Rappelons les erreurs du jugement qui ne manqueront pas d'être sanctionnées sur l'absence totale de rigueur sur les déplacements de population phase 2 pour charger, condamner que sans pan uniquement pour extermination sans s'assurer que les critères plus souples du meurtre étaient remplis, sur l'absence de preuves quant à la réalité des homicides volontaires déclarés constitutifs de meurtre et d'extermination sur les phases de population, les déplacements de phase de population 1 et pour le frais et l'extermination pour déplacement de population 2. Plus généralement, c'est la preuve de tous ces crimes qui fait défaut et ça, je vous renvoie au développement de notre mémoire d'appel. Enfin, et surtout, et ça c'est le point essentiel, l'incapacité à faire le lien au moyen de preuves tangibles entre les crimes et l'accusé. En tout état de cause, je vous ai évoqué la jurisprudence de ces pays. Vous avez une déformation de la preuve en ce qui concerne les déplacements de population phase 1, les déplacements de population phase 2 et tout le Polchret. Je vous renvoie notre mémoire d'appel, paragraphe 343 à 373 pour DP1 et ensuite 420, 436 pour tout le Polchret et 451 et 521 pour les déplacements phase 2. Sur la question des déplacements de population phase 1, quelques remarques, et notamment des problèmes de conclusion factuelle de la Chambre. Au paragraphe 553 à 559 du jugement, la Chambre conclut que les décès de personnes tuées par balle ou mortes du fait des conditions du déplacement de population sont constitutifs du crime de meurtre. Et elle identifie dans ces conditions trois groupes. Les anciens dirigeants de la République Khmer, les anciens fonctionnaires
des soldats de la et soldats de la RK et les autres civils et personnes réfractaires au déplacement de population. Le problème, quand je parle des anciens dirigeants de la République Khmer, on parle de sept personnes, les fameux sept traîtres qui avaient été désignés dans différents discours. Et là, elle examine ces meurtres de façon individuelle. Le problème, c'est qu'au paragraphe 559, voilà ce que dit la Chambre au sujet de la disparition des anciens de la République mère. Elle nous dit, en conséquence, la Chambre dit que le décès des victimes qui ont été tuées par balles pendant l'évacuation de Phnom Penh ou qui sont mortes tant dans des conditions qui leur ont été imposées que l'absence d'assistance en occasion sont constitutifs de l'infraction de meurtre. Donc elle fait deux hypothèses, les gens qui sont tués par balles et les gens qui sont morts des conditions dans le cadre du transfert. Le problème, c'est que la Chambre n'a pas jamais établi que l'exécution à Phnom Penh des anciens dirigeants ou placés de la RK, de la République mère, lieu partir par balle. Jamais elle ne l'établit. Et bien au contraire, il y a un seul élément de preuve qui vient évoquer éventuellement le sort qui aurait été réservé à ces anciens responsables. C'est la note de bas de page 1510 sous le paragraphe 503 du jugement où elle évoque Alan Rokoff qui lui indique, c'est de lui dire qu'il aurait appris la mort de ses anciens fonctionnaires et militaires du régime, qu'ils auraient été amenés au cercle sportif où ils auraient été matraqués à mort. Donc, ce que dit la Chambre au paragraphe 559 ne correspond pas à la preuve qu'elle a mise en avant et sur laquelle elle s'appuie. Par sa négligence, la Chambre exclut donc ici le décès de ses hauts dirigeants de sa qualification sur les crimes constitutifs de meurtre. Très brièvement, aucun élément de preuve ne permet d'établir la réception ou la transmission d'un ordre de tuer sur le déplacement de population, phase 1. Et là, je renvoie à tout le développement sur le problème des différentes zones et le problème de dire que parfois, les ordres reçus d'une zone avaient été différents selon le commandement sous lequel ils étaient placés. Et qu'en tout état de cause, nous avons eu une multitude de témoins qui sont venus témoigner devant la Chambre pour dire qu'il n'y avait jamais eu ordre de tuer et donc ne pas retenir ces éléments. Là pour rentrer dans le cadre d'une extermination. Autre élément, je suis obligée d'aller vite, je renvoie également à notre mémoire d'appel sur ce point, mais tout le Pôle Chrai et la preuve d'une pauvreté affligeante, puisque nous avons, au niveau des éléments factuels, aucun témoin oculaire des prétendues exécutions à tout le Pôle Chrai, aucun cadavre relié à ces faits, et aucun des quatre témoins prétendus qui s'est approché à moins de plusieurs kilomètres. Et donc la Chambre, dans le cadre de sa réflexion, va faire des éléments de déduction en parlant de voyage de camion sans qu'aucun des témoins de tout le Pôle Chrai n'ait pu établir ce qui s'était réellement passé sur le site. We quickly decided that if you're in need of additional 10 minutes, we will extend it over all the parties to the hearing if they so need. So you can slow down and the translator perhaps will follow with greater ease. Madame le juge et Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vous demanderai quelques minutes supplémentaires. Je pense qu'effectivement 10 minutes seront suffisantes. C'est vrai que c'est un peu plus technique. Et si je vais à la même vitesse que hier, ça va être très compliqué pour la compréhension. Donc, avec votre autorisation, je terminerai sur ce plan dans les 10 prochaines minutes, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vois que vous êtes accepté. Quelques points sur d'autres crimes et des critiques que nous avons formulées. La question des disparitions forcées. La Chambre a conclu que le crime de disparition forcée était constitué lors des déplacements de population 2. Et nos griefs sur ces erreurs sont les suivants. Tout d'abord, la Chambre n'a pas fait la démonstration d'un refus délibéré de fournir des informations sur le sort des personnes concernées, qui est une condition d'élément matériel. Ça, je renvoie au paragraphe
475 et 477 du jugement. Et ensuite, la Chambre a jugé des faits en violation de l'ordonnance de disjonction. Ça, c'est la disjonction qu'elle a souhaitée, la disjonction qu'elle a pratiquée et qui, on se rend compte a posteriori, enfin on pouvait s'en rendre compte d'ailleurs au moment des débats, n'était pas praticable, et avec une violation du champ temporel, puisque globalement, et du champ qu'elle avait fixé dans le cadre du procès 02-1, puisque pour pouvoir parler de ces faits de disparition forcée, elle nous parle de la vie dans les coopératives. La vie dans les coopératives, des éléments que nous abordons actuellement dans le cadre du procès 02-1. Ça, c'était nos deux griefs. La réponse des co-procureurs sur la violation de l'ordonnance de disjonction est de nous dire qu'il serait illogique et arbitraire d'exclure des disparitions pour la simple raison qu'elles étaient survenues à l'arrivée à la coopérative. Alors moi, je veux bien que ce soit illogique parce que la décision de disjonction était illogique. Il n'empêche que la Chambre est liée par sa décision de disjonction et qu'elle ne pouvait pas, parce que ça l'arrangeait pour condamner, aller piocher dans des faits que nous n'avons pas encore examiné. On ne peut pas marcher sur la tête et tirer des conclusions dans le premier procès sur des éléments factuels qui vont être examinés ensuite. Et ce qui est arbitraire pour nous, c'est d'estimer qu'au gré du vent, on peut aller de ça dès là, avant, après 75, après 79, en dehors du champ du procès, en dehors de l'ordonnance de disjonction, tout simplement parce que ça nous arrange pour condamner. C'est pas ça le droit. Et en plus, ça voudrait dire que M. Sampan serait condamné dans le procès 02-1 sur ces faits et serait à nouveau condamné sur ces mêmes faits dans le procès 02-2. Non bis in idem, là, encore un nouveau principe qui serait foulé au pied si on suivait la logique de la Chambre. Sur la question de l'absence de refus délibéré de donner des informations dans le cadre de l'élément matériel du crime de disparition forcée, que nous disent les coprocureurs, ils nous soutiennent que, eu égard au climat de peur et de crainte dans le contexte du Cambodge démocratique, il eût été absurde, je le cite, de conditionner l'existence des disparitions à la preuve que de telles informations avaient été explicitement demandées. Fin de citation. Donc, ce que les coprocureurs sont en train de nous dire, c'est de vous dire, vous, on peut changer l'élément matériel d'un crime parce que c'est plus facile pour nous de le prouver. Là encore, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a du droit, dura lex, sed lex. Sur l'absence d'éléments moraux également, si on poursuit sur ce raisonnement des coprocureurs, ils nous disent également qu'il serait un peu plus déraisonnable de croire que de fausses informations auraient pu être données à une telle échelle sans que n'eût existé l'intention de tromper. Donc là, on vous dit non, on n'a pas d'éléments matériels pour vous dire qu'il y a eu cette volonté de tromper. Nous n'avons pas de quoi établir l'élément moral, mais quand même, si jamais, il aurait pu, et si. C'est de la juridiction, là encore, on a du droit. Est-ce qu'on a les éléments, oui ou non, pour rentrer dans la case du crime de disparition forcée? Est-ce que l'élément matériel est constitué? Est-ce que l'élément moral est constitué? Si ce n'est pas le cas, on est obligé d'acquitter sur ce point. Sur les persécutions pour motifs politiques pour les déplacements de population 1, nous renvoyons, compte tenu du temps, au paragraphe 365 à 368 de notre mémoire d'appel. Rappelons sur la question des anciens soldats de la République Khmer ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de persécution prise à l'encontre des anciens de la République Khmer si l'on ne fait pas la démonstration de mesures spécifiques à leur encontre. C'est l'évidence même. Sur les déplacements de population 2, on nous parle de crimes de persécution à l'égard de ce que communément, la Chambre et l'accusation a appelé le peuple nouveau. Et là, c'est intéressant de noter, là je parlais des déplacements de population 1, de 2,
Mais rappelons quand même sur les populations, sur les déplacements de population 1. Si on est sur une absence de groupe suffisamment identifiable, si on est sur l'absence d'éléments matériels du crime de persécution, parce que le groupe n'est pas suffisamment identifiable, alors, là aussi, il convient d'acquitter. Un élément important, rappelons que le vocable même, peuple nouveau, et d'ailleurs, dans le cadre du procès 02/1, la plupart du temps, les gens n'utilisaient pas le terme du peuple nouveau. Ils parlent du peuple du 17 avril. Le peuple du 17 avril, qui, par définition, n'existe pas avant le 17 avril. Donc ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important à noter. Et on ne peut pas parler d'éléments de discrimination qui auraient été d'autant plus élaborés avant l'évacuation de Phnom Penh. Et pour le déplacement population 1, ou qui aurait trait à la vie dans les coopératives, qui, rappelons-le, est hors champ du procès 02/1 que nous examinons dans le cadre du procès numéro 2. Je conclurai en disant que, là encore, en ce qui concerne la manière dont le droit et les crimes sont abordés par la Chambre, nous avons un raisonnement façonné pour arriver à une condamnation. Les erreurs de la Chambre ne sont pas des erreurs anodines, elles ont un sens. Pourquoi est-ce qu'il faut abaisser la mens rea? C'est parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve pour pouvoir coller la mens rea constitutive de ces crimes à M. Kusampan. Donc on va chercher dans du droit postérieur, dans de la jurisprudence postérieure, pour essayer de coller ce crime à M. Kusampan. Nous verrons que dans le cadre de la responsabilité, c'est la même logique qui a été abordée par la Chambre, appliquée par la Chambre, et que nous dénonçons et que nous vous demandons de sanctionner. Mr. President, Your Honors, thank you. I will start by trying to address the three questions that Your Honors posed for this section of the appeal hearings. And I have a little apology to the members of the audience. These are very complex and important legal questions, and by necessity, the answers will have to go into some complexity and jurisprudence from cases around the world and over a great period of time. So thank you, Mr. Prosecutor. The audience will be surely a grateful audience at the press briefing after the hearing. It would be really appreciated if you treat us as your main audience. Yes. Your Honor's first question was about custom and traditional law in 1975. Whether the definition of crimes against humanity required a nexus to a crime against peace or a war crime as opposed to an armed conflict. Now, it appears to us that the question comes at least partly from the Charter for the International Military Tribunal at Nuremberg. In particular, Article 6, which defined the crimes that were under the jurisdiction of that tribunal. What's important is to look at the statute, the Charter of the Court, in total. What Article 6 says is that the tribunal established by the agreement hereof is for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries, and that the court shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, committed the following crimes. In paragraph C is crimes against humanity. It lists crimes including enslavement, deportation, murder, extermination, and other inhumane acts committed against any civilian population before or during the war. There followed originally a semicolon, later replaced after a little discussion because it was different in different
persecutions on political, racial, or religious grounds, execution of, or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. So, Your Honor, what we see is that the statute, I would say that the more reasonable reading is that the, would have been that the limitation on whether or not in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, even with a comma, applied to persecutions. But that's not how the tribunal itself interpreted it. So, looking at the language as the tribunal interpreted it, what the charter said is crimes against humanity before the Nuremberg Tribunal, which was set up specifically for one war, for people from the countries of the Axis countries, that required a linkage with a crime within the jurisdiction of the tribunal. If crimes against humanity in 1975 required a nexus to a crime against war or crime against peace, that language would have been unnecessary, it would have been surplusive. Instead, it's put in to the language of the Nuremberg Tribunal because it was a court set up for a specific purpose. It was set up to try a major war criminals in the Second World War. It would have been impossible, and in fact, I think it ended up trying 20 individuals, top leaders, over a course of 2 years. The tribunal limited and defined its own jurisdiction in those terms, just as other tribunals have defined their own jurisdiction, limiting the temporal scope or the geographic scope of the crimes that would be covered, or in the individual crimes, the jurisdiction of the individual tribunals for individual crimes. The further evidence that this was not part of customary international law is basically the same group of countries then established the Control Council Law No. 10, which was meant to deal with the trial of others, not at the very top leadership, but others involved in the post-war situation and crimes that had been committed. In that Control Council Law No. 10, Article 2 defined crimes against humanity and contained no such linkage, no requirement of any linkage to war crime, crime against peace, or an armed conflict. Council quoted the Flick case, and the Flick case said specifically what they were talking about is, again, even with the jurisdiction as defined, they worried that the amount of cases that they would have to try would be too large and that they should concentrate then on those connected to war. In fact, what Flick said at page 1213, to try war crimes is a task so large, as the numerous prosecutions prove, that there's not a necessity or an excuse for expecting this tribunal to try persons for offenses wholly unconnected with the war. But, in fact, the cases tried under Control Council Law No. 10 did include cases where there was clearly stated in the jurisprudence no requirement of a linkage to the armed conflict, to war crime, or a crime against peace. In the Eisengruppen case itself, at page 497, one of the authorities cited, it indicated this law is not restricted to events of war. It envisions the protection of humanity at all times.
It went on to say at page 499, the Allied Control Council, in its law number 10, removed this limitation, that's the limitation about a connection to a crime against peace or crime against war, so that the present tribunal has jurisdiction to try all crimes against humanity, as long known and understood under the general principles of criminal law, as this law is not limited to offenses committed during war. This interpretation that, in fact, the World War II jurisprudence clearly shows that no, there was no requirement of a linkage to a war crime or crime against peace was also found in the Tadich decision, the Appeals Chamber decision, paragraph 140, the judgment of 2 October 1995. I believe it was the decision on the defense motion for interlocutory appeal on jurisdiction. In paragraph 140, Tadich, the Appeals Chamber said there's no logical or legal basis for any such requirement, and it has been abandoned in subsequent state practice with respect to crimes against humanity. And then the Tadich decision said that most notably the nexus requirement was eliminated from the definition of crimes against humanity contained in Control Council Law Number 10. They say it's further evidenced by international conventions regarding genocide and apartheid, both of which prohibit particular types of crimes against humanity, regardless of any connection to armed conflict. But of course, this makes sense, even as of the Second World War, certainly as of 1975, that the interests of international law would go beyond simply mass crimes committed in the time of war, armed conflict, or those linked to crimes of war, but would include the protection of civilians from the most horrendous atrocities, regardless of whether it's committed by a government against its own people in a time of peace or in a time of war. In addition, there's also in 1970, a convention entered into force called the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. Article 1 of that convention provided crimes against humanity, whether committed in times of war or in time of peace, as defined in the Charter of the IMT, shall have no statute of limitations to summarize. Other courts have also recognized this. One of those is a case from the European Court of Human Rights. I'm try my best to pronounce the names. Kolb and Kisilyev versus Estonia. That's K-I-S-L-Y-I-Y. And in this case, which was decided in 2006, however, it dealt with Estonia, irrespective of the date of their commission, and whether committed in time of war or in time of peace. The same principle was recognized by a French court in the case of the Loss Barbie, I believe was represented by, at the time, by Q. Sampan's former counsel, Mr. Verges. There in Barbie, they made the following statement, that unlike crimes against humanity, war crimes require a nexus with the situation of hostilities and armed conflict. What's clear, they said, unlike crimes against humanity. So in Barbie, they clearly were holding that crimes against humanity do not require
a nexus to an armed conflict. And in the justice case, one of the authorities we provided, pages 979 and 982, they go through a bit of history about how, over the course of time, but particularly in the 20th century, starting from before, even in the 19th century, but certainly before the First World War and after the First World War, there was increasing interest by states in protecting civilians and other states from pogroms, from persecutions, from mass atrocities, and that this had affected the development of international criminal law. It was reflected, we say, in the Control Council Law Number 10, and in those prosecutions that took place where people were tried without a connection to a war crime or crime against humanity. Without a connection to a war crime or crime against peace as a crime against humanity. So I'd like to move on to the second question. But I don't know if Your Honor is planning to take a break at some time, Mr. President. Do you want me to move on to the second question, or do you wish to take a break now? Thank you. I'm glad I'm holding your interest. The second question is the whether, to the extent that the trial chamber, according to the trial chamber, crimes were committed against Khmer Republic soldiers or to combat. These crimes were nevertheless committed as part of an attack directly against the civilian population. Now, listening to the defense argument today, I think we have an important point of agreement. The defense, as I understood them today, is saying that after 17 April 1975, the former Khmer Republic soldiers were no longer soldiers, they were civilians. We agree with that. When the war was over, this is not a situation where a part of an army surrendered. This is a situation where there was no more army. There was no more state. Khmer Republic had been replaced by Democratic Council of Chiefs. So if one has to, certainly, once someone is a soldier, the law should not say that they're a soldier and therefore can be targeted for the rest of their lives. But in the 10 years after they left being a soldier, 20, 30, or 50 years after, at what point do they become civilians? We submit, and we from the defense argument, they agree with us, that when the war is over, there's no longer an army that they're a part of. They have to be considered civilians and are entitled to protection as civilians. However, the trial chamber also, I think, also said that they agreed with that, but said they gave an alternative if they were considered soldiers or to combat. They still could be the victims of crimes against humanity, so long as the targeting of these soldiers took place in the context of a widespread or systematic attack on the civilian population. And that's absolutely the international law. There's clear jurisprudence on that. Council cited the Martich case, the appeal judgment in Martich, paragraph 313, clearly says that a person born to combat may thus be the victim of an act amounting to a crime against humanity, provided that all other necessary conditions are met, particularly that the act in question is part of a widespread or systematic attack against any civilian population. Same holding was reiterated in Merksich appeal judgment, paragraph 29, where they said the appeal chamber recently confirmed that there is nothing in the text of Article 5 of the statute, or previous authorities of the appeal chamber, that requires an individual victim of crimes against humanity be civilians. In paragraph 32, accordingly, whereas the civilian status of the victims, the number of civilians, and the proportion of civilians within a civilian population are factors relevant to the determination of whether the chapeau element of Article 5 of the statute, that is an attack directed against a civilian population, is fulfilled
In the trial judgment in this case, in paragraph 194, the chamber held that the armed conflict between the Khmer Republic and Khmer Rouge ended on 17 April 1975 with the capture of Phnom Penh and the Khmer Republic forces had surrendered. Thereafter, all Khmer Republic soldiers not taking a direct part in hostilities were civilians or at a minimum thereby enjoying the same protections. In any event, former Khmer Republic soldiers formed only part of the millions of civilians attacked. And that's important. What's clear from the holding of the trial judgment, fully supported by the evidence in this case, is that there was a widespread, systematic attack on a civilian population that all those who were perceived enemies, civilian or non-civilian, were treated similarly. For example, Khmer Republic soldiers and civilian officials. New people, which by the way, is not a term that the prosecution invented. This is a term that the Khmer Rouge authorities invented. New people were, by the vast majority, civilians, who also were persecuted as part of this widespread and systematic attack. An example of the mixing of how these attacks against soldiers fit into the attack against civilians is even in the identification of the seven traitors that were to be executed. I think at one time, Khieu Samphan added a couple additional names to that list. But these people included both civilian officials and military officials. So the requirements of the law for a soldier or to combat, yes, to answer the question, they can be a victim of a crime against humanity, provided that the chapeau elements are met, that there is a widespread and systematic attack on a civilian population, and that there is a linkage between that attack and the attack on the soldiers, or to combat. In this case, there clearly was. So I'll move on to the third question. The third question that Your Honor posed was whether a conviction for extermination, encompassing murder, requires the trial chamber to be satisfied beyond reasonable doubt of each individual unlawful killing, or as a potential alternative, be satisfied beyond reasonable doubt of the occurrence of unlawful killings based on the totality of the evidence. Your Honor, the element of extermination, as you well know, is that there be killing on a mass scale. That's what's required. No particular number is mentioned, but killing on a mass scale. In the trial judgment at paragraph 520, the trial chamber held that having regard to the totality of the evidence before the chamber, describing the deaths that occurred during the evacuation due to killing, starvation, and exhaustion, the chamber is satisfied that at least several thousand people died during the transfer of the population from Phnom Penh to the countryside. Among the victims were babies, young children, sick and elderly. And they made similar findings regarding and the second force transfer, where they found that it was killing on a mass scale. In Tulpotre, I believe they made an estimate of the numbers that died. Your Honor, what's required in evaluating evidence is that every element of the crime be proved beyond a reasonable doubt. It's not required that every piece of evidence that's put before it, the trial chamber, or every that is shown beyond a reasonable doubt. In the Lee Mai case, at
paragraph 70, they talked about it may not be sufficient. This is talking about, by the way, don't want to mislead anyone. This is talking about the effect of different evidence about the identification of an individual. And we say the same issue, the same approach to the evidence should apply to the element of the number, whether this element of mass scale has been met. And in Lima, they say that in paragraph 153 of the Chia Chamber judgment, that not every individual fact supporting the proof of a crime is required to be proved beyond reasonable doubt. But the totality of the facts in relation to that crime have to be proven beyond reasonable doubt. It may not, a relevant piece of evidence viewed in isolation may not be sufficient to establish the obligation of proof on the prosecution. But it is the cumulative effect of the evidence, the totality of the evidence, which must be weighed in order to prove whether the prosecution has proved the element beyond a reasonable doubt. So what matters is that the trial chamber in this case determined that in each of these instances, the first and second forced transfer and to portray a vast number of individuals were killed, really satisfying the requirements of extermination. Now the defense, by the way, I believe mentioned this morning the Stockage case, and having some familiarity with that case, I just want to talk about it a little bit. First of all, there is a difference in different tribunals about the amount of detail that's pled and that can be proven. The Stockage case involved a single municipality in a nine-month period, and an allegation of deaths approaching 3,000. The trial chamber made a finding in the end that at least 1,500 people died. When possible, at the Yugoslav tribunal, individual names of victims were pled. And in the Stockage case, like many of that tribunal, where they were known, for each incident, the names of individual victims were listed in the indictment. And in the judgment of the trial chamber, they made findings on each incident and where possible the individuals. That's not the way the judgments, the indictments were pled or judgments were written in a place like the special court for Sierra Leone, where such a detailed evidence simply didn't exist. Nor do we think it's possible to plead individual names and prove all individual killings here at the special, at the ECCC, where the number of victims is vastly, vastly greater. But in our submission, to answer your question, it's not necessary to prove beyond a reasonable doubt each individual killing, so long as the chamber is satisfied that the killing occurred on a vast scale. I'd like to talk about the recharacterization issue. First of all, could I just ask Your Honor for an indication of how much time I have? Thank you. So as for recharacterization Mr. Prosecutor, have you received my question? Meanwhile, that was sent by email to all parties. No, I did not. Oh, okay. So I was wondering whether it was... Sorry, something was passed to me and I perhaps didn't understand it. So if I could read that now. Sure. I just wanted to make sure that this was not the question yet. This was not the answer yet. Well, I it can wait. I believe that this did answer your question. I thought it was quite similar to the question. I see. You're talking about murder as opposed to... It's your discretion whether you want to elaborate
in detail on it because it's a related issue, but it may wait until later. We believe absolutely the same requirements, the same logic, the same reasoning applies to murder as to extermination. In the judgment in this case, unlike some judgments where in the indictment individual incidents were proved, and individual findings of guilt, this murder occurred, this murder occurred, this village or this location, that's not how the case was pled in the closing order. Largely individual locations or individual names, certainly are not listed. So the finding of the chamber of the murders occurred, the court has to be satisfied the trial chamber beyond a reasonable doubt that in fact murders occurred. Individual murder counts. In this judgment, the court didn't enter convictions for each individual. You could argue they entered convictions for a series of incidents. It's the first force transfer, the second force transfer, tool poacher. For many of the individual murders were proven beyond a reasonable doubt, looked at by themselves. I'm not prepared at the moment to go through each one. So going on to the issue of re-characterizing the modes of liability in this case. Rule 110. The internal rules provides that the court has the right to recharacterize the offense. Sorry, I'm just going to try to find my notes on recharacterization. Look, Happy Yandra, Kitsom, Tamara, Muniti, and by Pado DVD.